regarde ton voisin, tu dis, est-ce que tu as faux? Parce qu'on a dit, envoie le feu, mais c'est comme si le feu ne descend pas. Amen. Envoie le feu. Le feu du Saint-Esprit. Envoie le feu, Seigneur. Le feu du Saint-Esprit. Envoie le feu. Ne rate pas le ciel.
monde en ce moment, ils savent que c'est la fin. Vous savez pourquoi? Parce que ce qu'il y a à la mode maintenant, c'est les changements climatiques. C'est la pollution. Vous savez, il y a la pollution, il faut faire attention. Il y a des gens qui abusent, qui mettent n'importe quoi dans l'eau et dans le marécage. Mais le problème, c'est la motivation derrière, c'est leur explication. Ils disent ceci, que à cause de l'action de l'homme, la terre va être détruite. Et donc, pour pouvoir empêcher que la terre ne soit détruite, il faut changer les façons de faire. Il faut avoir des politiques vertes et environnementales. Des politiques vertes et environnementales, ce n'est pas mauvais parce que c'est une meilleure façon de vivre. C'est une façon plus aisée. Mais ce n'est pas ça la racine. La raison pour laquelle la terre va être détruite, c'est parce que l'homme est en train de pécher. Et ils essaient de switcher cela, de changer la raison derrière. Et de dire que non, le problème c'est l'homme. Pour que l'homme ne regarde pas à Dieu, il n'ait pas peur de Dieu, il ait plutôt peur de lui-même. Vous comprenez un peu? Parce qu'il faut comprendre quelque chose, c'est que quand tu regardes la température, le changement de température, l'augmentation, la baisse, tu peux regarder les glaces partout, tu te rends compte qu'il y a quelque chose. Et eux aussi le remarquent. Mais pour justifier cela, ils vont tout faire pour mettre cela sur l'action humaine. Mais la seule justification de cela, c'est parce que Dieu a dit dans la Bible que la faim va venir comme les douleurs de l'enfant. Quand une femme est en train d'accoucher, tu vois, il y a plus de contractions et les contractions sont régulières. Et c'est pour ça que la terre est en train de trembler. Et l'homme voit cela, il trouve une raison pour mettre cela dans les changements climatiques. Écoutez, la terre est en train de trembler. Et eux aussi, ils ont peur. Mais ce qui me dérange, ce n'est pas que eux, ils aient peur. Ce qui me dérange, c'est que nous, l'Église, nous agissons comme si tout va bien. Nous agissons comme si nous avons encore 5 ans, 10 ans, un projet. Écoutez, ce n'est pas mauvais de projeter. Mais quand tu projettes, pense que Dieu peut venir demain. Quand tu projettes, pense que Dieu peut venir après le monde. Et eux, ils le savent. Regardez même dans le gouvernement aujourd'hui, regardez même dans la politique. Hier, même si vous avez regardé le nouveau ministre de l'Environnement, on a pris ça en considération de ce qui s'est passé dernièrement, des difficultés qu'ils ont eues. Si vous regardez la politique, que ce soit au Canada, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Israël, partout dans le monde, les gens votent maintenant en fonction des changements climatiques. Parce qu'ils ont peur. Si tu es mieux placé pour leur donner un programme qui va les rassurer, comment on fait pour régler cette affaire? Mais ce que Dieu essaie de nous faire comprendre, c'est que pour régler cette affaire, c'est la repentance. Pour régler cette affaire, c'est le nom du Seigneur Jésus. Mais comme la terre est en train d'aller en perdition, alors qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons d'abord être sauvés, nous devons sauver d'autres aussi, pour que nous quittions ce lieu et nous allions là où Papa nous appelle. Amen. Le problème, c'est que d'aucuns vivent comme si c'est ici qu'ils vont vivre. C'est comme si c'est ici qu'ils vont investir. C'est comme si c'est ici qu'ils vont rester. Écoute, si ton cœur est attaché ici, tu ne vas pas pouvoir aller ici. Il faut que ton cœur soit attaché à l'au-delà. Si ton cœur est attaché à l'au-delà, tu vas aller avec l'Éternel. Amen. Tout ce que nous avons, c'est pour aller aussi. Tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de l'Éternel. Amen. Donc, écoutez, si tu regardes l'actualité, les gens sont plus à l'aise que nous autres. Les gens sont plus tremblants que nous autres. Mais eux, ils sont tous se battre. Vous allez voir, comment on appelle les radicaux, ceux qui vont sur le pont et tout ça. Ils font des actions. Ils sont en train de se battre parce qu'ils ont peur. Ils veulent que ça change. Il y a d'autres qui savent ce qu'ils font bien, d'autres qui ne savent pas. Ils le font sincèrement. Alors, regardez leur réaction par rapport à la crainte de que la terre soit détruite. Quelle devrait être notre réaction par rapport au retour du Seigneur? Quand il va revenir bientôt, qu'est-ce qu'on va lui dire? Qu'on est en train d'aller au Waldo, qu'on est en train d'aller magasiner à Waldo, qu'on est en train de faire quoi? S'il y a un moment où il faut être alerte, c'est maintenant. S'il y a un moment où il faut être réveillé, c'est maintenant. Amen. Est-ce qu'on peut être plus content? Chapitre 34, verset 1.
1 à 7. Si quelqu'un là, il peut lire, s'il vous plaît, à haute voix. Parce que tu peux changer d'avis à tout moment et puis revenir ici et repartir. Amen.
Donc en général, on préfère sortir seul que d'être accompagné. Mais si vous remarquez comment. Oui, c'est joli. Accompagné. Pauvre pasteur. On va appeler les affaires pastorales ici. Il veut jouer au basket. Bon. Parce qu'il veut manger à la maison. La politique. Donc, toujours est-il que quand on est seul, vous allez remarquer qu'on passe beaucoup plus de temps à l'extérieur. Amen. Donc, on est en train de parler d'une fille ici là qui s'appelait Dina. Il faut comprendre aussi. Mais on peut aussi comprendre. C'était la seule fille. Parce que Jacob a eu beaucoup de fils. Vous allez voir Ruben, vous pouvez lire à partir de Genèse 29, 30, 32, 31. Et puis il a eu des fils par Léa, qui a eu des fils par Rachel. Mais il a eu une seule fille qui s'appelait Dina. Donc j'imagine que Dina est à la maison, tout le temps elle avait des frères. Et voilà, peut-être qu'elle a commencé à trouver sa place. Amen. Et puis la Bible dit que elle. Elle sortit pour voir les filles du pays. Donc, elle a vu qu'il y avait des filles qui jouaient, il y avait des filles qui chillaient, il y avait des filles qui savaient comment passer leur temps. Elle a commencé à apprécier cela parce que tu ne peux pas aller voir les gens avec qui tu ne peux pas partager quelque chose. Amen. Et elle a commencé à faire ça souvent. Alors que sûrement son père lui a dit, Tina, laisse ça à la maison. Papa, c'est plat. Pas seulement ici, là, un jour, mon opinion se rappelle. D'ailleurs, là, il y a des choses qui sont plus le fun. Dina reste à la maison. Papa, c'est plein. Donc, elle a continué de sortir. La Bible dit qu'alors qu'elle sortait, il y a un roi, un prince, c'est pas n'importe qui l'a remarqué, c'est quelqu'un d'important. Et probablement, on l'a remarqué parce que au milieu des autres filles avec qui elle marchait, elle était différente. Amen. Écoutez, vos soeurs, vous êtes différentes. Amen. Les frères, vous êtes différents. Mais n'oubliez pas une chose. C'est quand vous sortez à l'extérieur, c'est parce qu'il faut travailler, c'est parce qu'il faut chômer, mais c'est pas pour rester à l'extérieur, c'est pour revenir à la maison. Amen. Mais elle est partie, et moi, sincèrement, je pense qu'elle avait contrôlé l'affaire. Puisque la Bible disait qu'elle allait voir les filles du pays, elle n'est jamais allée voir les gars, donc elle voulait avoir un téléphone avec d'autres filles, savoir comment faire, c'était quoi le truc, peut-être qu'elle prenait des selfies, ça venait des stores, je sais pas. Elle trouvait ça fun. Mais le problème, c'est qu'elle est sortie hors d'un lieu où elle était protégée. Et lorsqu'elle a mis la tête dehors, le pied dehors, elle a fait ça souvent et elle a été enlevée. Ce qui veut dire que si tu mets la tête dehors parce que tu trouves ça le fun, alors que tu n'es pas au bon endroit, l'ennemi va te préparer quelque chose. Tu ne sais pas comment il va faire. C'est pour ça qu'on l'appelle le malin, parce qu'il est très malin. Amen. Donc, et la Bible dit qu'il a enlevé, il a couché avec elle, c'est un prince, il est fort, tu vas lui refuser quoi? Ils sont dans le monde, ils n'ont pas peur. Et il a déshonoré. Mais le truc, c'est ceci, c'est que, écoutez, Dina, c'est quand même une fille. Il pratiquait la sanctification. Donc, ce n'est pas le genre de fille qu'il allait déshonorer, il s'est attaché à la fille. Juste, il n'a pas suivi les principes. Et là, il commence à négocier. C'était petit séché. Voilà. C'est vrai que je ne connais pas le baptême au nom de Jésus, mais. Je t'aime, mon cœur chaleureux pour toi. Mon père ne m'a jamais accepté. Il a parlé. La Bible dit qu'il a parlé jusqu'à. Il suit pas là son cœur. Et si Shem dit à Amon son père, parce qu'il ne peut pas aller voir son père si la fille n'a pas dit oui. Donc il a arrangé, parce qu'il savait que s'il a dit non, il aime. Et il dit donne-moi cette jeune fille pour femme. Jacob a appris qu'il avait déshonoré Dina, sa fille, et comme ses fils étaient au champ avec son troupeau, Jacob garda le silence jusqu'à leur retour. Vous savez pourquoi il a gardé le silence? Parce qu'il savait comment les saints de l'église étaient là. Hey! La fille a fait quoi dehors? Et comme le pasteur sait qu'ils ont fait une bêtise, le pasteur est autrement de partage qu'ils avaient au service. Parce qu'il y a des saints qui sont les défenseurs de Dieu. Et donc, les frères vont juste se donner les bêtises. Puisqu'on va voir, qu'ils vont faire quelque chose de grave après. Donc, Jacob, comme il connaît ses enfants, il dit non, on va revenir. On attend qu'ils arrivent à la maison parce qu'étant à la maison, il peut les retenir. Parce que voilà d'autres qui pouvaient sortir pour aller faire le sacrifice. Amen.
Donc quand il y a quelque chose comme ça, ne te presse pas, consulte d'abord le pasteur. Et Jacob, donc, il gardait le silence. Et c'est bien de ne pas tout dire. Amen. J'ai raconté cette histoire, je vais la raconter. Vous savez, avant, j'aimais tout. Quand tu me touchais, je racontais. Quand tu me faisais du bien, je disais. Moi, je vais tout dire. Amen. Tu sais ce que je me rends compte, que même quand tu parles du bien de quelqu'un, ce n'est pas bien de dire devant tout le monde, parce qu'il y a la jalousie, tout ça. Amen. Moi, je fais ça et tout ça. Donc, quand j'étais plus jeune, je vais aller en vacances. Moi j'habitais à Douala, Douala c'est comme Montréal. Et puis, ma famille, ma tante, elle était à Yaoundé. Yaoundé c'est comme Québec, c'est la capitale. Mais moi j'aimais aller là-bas parce que quand j'arrivais là-bas, j'étais comme le prince. On me faisait Yannick, tu veux manger? Ah, j'étais au bêtise. C'est le genre que tu as envie de changer de parent, mais tu oublies que c'est pour les vacances. Et j'aimais là-bas. Et donc, quand j'allais là-bas, c'est comme. Tout le monde était content de me voir. Je pouvais demander ce que je voulais. Et la nourriture et tout, et les sorties. Mais, il y a le premier fils que je ne voyais jamais qui est arrivé cette période de vacances-là. Et quand il est arrivé, tout a changé, c'est lui qui contrôlait tout. Donc c'est comme ça, c'est comme ça le bilan de la réalité. Et donc, pendant qu'on était en train de jouer avec les autres, il a joué un peu avec moi, il m'a tiré l'oreille comme ça. Ça m'a énervé. Mais comme il était grand et fort, on ne pouvait pas. Alors, j'ai attendu que ma tante vienne. J'étais le chouchou de ma tante. Il s'appelait Serge. Serge, il m'a tiré l'oreille. Quoi? Je suis rebattu ma soeur. J'entends. Je suis content. Tu sais, des fois, on a donné quelqu'un, tu as appelé le petit, tu fais des plans, tu dis, mais là, on va me respecter, tu fais des plans. Donc, c'est passé. Et quand c'est passé, un autre jour, je me trouvais encore la même gars et tout, tout allait bien et tout. Et puis la tante n'était pas là. Et j'étais en train de jouer, et puis subitement, je vois quelqu'un derrière moi. Et la personne me tire par les deux oreilles. Il me soulève comme ça, bien même. Moi, je peux bien, c'est léger. Et mes oreilles ont chauffé. Et je me tourne comme ça. C'était Serge. Il dit, bah, quoi, donc, fait que, ça m'a chauffé. Donc, ma tante est revenue le soir. Et puis, moi, je dis, calme, parce que mes oreilles chauffaient, mais je voulais cacher. Et il dit, ça va? Oui, maman, ça va. Toi, bien. Il dit, ça va, bien. Je suis resté tranquille. Je pouvais rentrer de vacances là sans mes oreilles. Donc, je voulais. Donc, toute vérité n'est pas bonne à dire. Il y a des choses que tu vas garder pour toi. Amen. Donc, je continue. Donc, là, alors, Jacob, il sait que ses fils sont fâchés. La Bible dit, verset 7, et les fils de Jacob revenaient des champs. Lorsqu'ils apprirent la chose, ses hommes furent irrités et se mirent dans une grande colère. Parce que Sichem avait commis une infamie en Israël en couchant avec la fille de Jacob, ce qui n'aurait pas dû se faire. Donc, on a dit, ne te couche pas sur ta colère. Amen. Je ne sais pas quel genre de colère ils avaient, mais la colère, là, c'était la colère qui ne voulait pas arriver. Parce que, à moi, avec ça, c'est la parole. Le cœur de Sichem, mon fils, est attaché à votre fille. Donnez-la lui pour femme. Je vous prie. Allez-vous avec nous. Vous nous donnerez vos filles. Et vous prendrez pour vous les nôtres, ce qui n'est pas bon, parce qu'ils n'ont pas l'évangile. Vous habiterez avec nous et le pays sera à votre disposition. Restez pour y trafiquer et y acquérir les propriétés. Sichem dit au père et aux frères de Dina, que je trouve grâce à vos yeux et je donnerai ce que vous me direz. Exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents et je donnerai ce que vous me direz. Mais accordez-moi pour femme la jeune fille. Les fils de Jacob répondit et parlait avec ruse. Et à Sichem et à Hamor, son père, Sichem avait déshonoré Dina, leur sœur. Si vous voyez bien, on a quelqu'un qui est quand même sincèrement repentant, même s'il n'est pas dans la vérité. Et donc, s'il laisse Jacob régler cette affaire, s'il laisse le pasteur s'occuper de la situation, on va peut-être avoir une famille avec le papa qui est converti. Mais eux, ils sont en train de faire le plan pour les convertir. Pour se venger. Il faut faire attention. Ce n'est pas parce qu'on a commis une erreur avec ton frère ou ta soeur de l'église que tu vas te venger. Peut-être c'est ça que Dieu va te venger sur une personne. Amen. Donc, maintenant, les fils rebondit et dit avec lui sa Sichem, son père. Il a dit, c'est une chose que nous ne pouvons pas faire.
que de donner notre sort à un homme et un circoncis, comme pour dire aujourd'hui à quelqu'un qui n'est pas baptisé par immersion au nom de Jésus-Christ. Amen. Car ce serait un opprobre pour nous. Non, tu peux pas porter, tu peux ne pas porter le nom du Seigneur, tu peux vraiment. Non, ça ne marche pas. Nous nous consacrerons à votre désir qu'à la condition que vous deveniez comme nous et que tout mal parmi vous soit circoncis. Nous vous donnerons alors vos filles et nous prendrons pour nous les vôtres. Nous habiterons avec vous et nous formerons un seul peuple. Mais si vous ne voulez pas nous écouter et vous faire circoncis, nous prendrons notre fille et nous nous amènerons. Le parent eut l'assentiment de Hamor et de Sichem, fils d'Hamor. Le jeune homme ne tarda pas à faire la chose car il aimait la fille. Et vous savez, les païens ne se circoncisaient jamais. Parce que c'est douloureux. En plus, il faut comprendre que la circoncision, on le fait toujours quand l'enfant est jeune. Amen. C'est moins douloureux. Mais imaginez tous ces crânes, ces papas, ces colosses, en train de se faire circoncis. C'est pour te dire comment la vie, quand on était prêt à obéir à l'évangile, parce qu'il y avait une motivation. Mais eux n'ont pas été assez sages, parce qu'ils ne voulaient pas laisser le pasteur s'occuper de la situation, ils voulaient se venger. Donc, et puis, le jeune homme ne tarda pas, il n'a pas tardé à se faire baptiser. Il était considéré de tous dans la maison de son père. Donc, c'est quelqu'un qui avait quand même de bonnes valeurs, même s'il n'était pas baptisé. Des fois, à l'extérieur, il y a des gens qui ont un bon potentiel. Mais quand tu sors pour juste passer le temps avec eux, pour chier, tu vas jamais pouvoir exploiter ce potentiel pour le nom du Seigneur. C'est pour ça que quand tu sors, comme on a parlé de sortir tout à l'heure, il faut que tu aies une idée en arrière. Amen. Il faut que tu saches que tu sors pour le Seigneur. Quoi que vous fassiez, Colossiens 3, verset 17, quoi que vous fassiez en parole ou en action, faites-le au nom du Seigneur. Donc, Amor et Sichem, son fils, se rendirent à la porte de la ville et ils parlaient ainsi aux gens de la ville. Ces hommes sont paisibles à notre égard et qu'ils restent dans le pays et qu'ils y trafiquent. Le pays est assez vaste pour eux. Nous prendrons pour femme leurs filles et nous leur donnerons nos filles. Et ces hommes nous consentiront à habiter avec nous pour former un seul peuple, qu'à la condition que tout mal parmi nous soit circoncis. Comme ils sont eux-mêmes circoncis. Donc que toute personne parmi nous soit baptisée au nom de Jésus-Christ, comme eux-mêmes sont baptisés au nom de Jésus-Christ. Le troupeau, le bien, tout le bétail ne seront-ils pas à nous, acceptant cela selon leurs conditions, pour qu'ils restent avec nous. Tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville écoutaient Amor et Sichem, son fils. Et tous les mâles se firent circoncis, et tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville le troisième jour, pendant qu'ils étaient souffrants, les deux fils de Jacob, Simeon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, tombèrent sur la ville, qui se croyait en sécurité, la ville qui faisait confiance. Il y avait moyen d'avoir un réveil là-bas, mais les gens ont gâté leur réveil à cause de leur plan. Et ça, c'est vraiment, le Seigneur m'a mis à cœur de prêcher ça aujourd'hui pour dire que il y a des portes qui sont ouvertes là-dedans, mais des fois, tu es tellement concentré sur ce que tu veux, sur l'argent, sur le travail, sur le mariage. Des fois, tu ne fais pas attention que tu es en train de passer à côté de quelque chose. Sache que le sacrifice peut venir à tout moment. Dieu peut te demander à tout moment, laisse cette chose, même si tu l'avais promis. Mais eux, ils étaient tellement concentrés pour réparer la faute à leur façon, au lieu de faire confiance au pasteur, à leur père, que un village entier, une ville entière qui était supposée recevoir le nom du Seigneur, qui était supposée recevoir le réveil, n'a pas reçu le réveil. À cause de leur colère, à cause du souci de vengeance. Écoute, un frère ou une sœur t'a peut-être offensé. Mais fais attention, si tu gardes ça longtemps, ça va te faire passer à côté de beaucoup d'hommes qui sont autour de toi. Il faut apprendre à prier et à mettre ça entre les mains du Seigneur. Amen. Et donc, le troisième jour, pendant qu'ils étaient souffrants, les deux fils de Jacob, Simeon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun les épées, ils sont tombés, ils ont passé. Écoutez, tout le monde sait que la circoncision, c'est douloureux. On est chanceux, la plupart d'entre nous, on a été circoncis quand on était bébé, jeune. Donc, moi, je ne me souviens pas. Amen. Je ne sais pas si j'ai souffert, je ne sais pas. Tout ce que c'est que je suis content. Mais j'ai entendu des histoires. Je vous dis, la fête là, c'est chaud.
tu ne peux pas oublier. Et tu dois te bouger, tu dois faire attention, tu ne dois pas beaucoup bouger. En général, quand tu es circoncis, tu es bien grand, on te donne la nourriture à manger, on te donne tout, tout de la même. Tu restes au même endroit. Toute la journée, c'était une parenthèse. Donc, imagine les gars, ils sont abandonnés. Et ils sont abandonnés, ils doivent recevoir l'évangile, ils doivent recevoir la vérité, mais ils sont abandonnés, mais les enfants de Dieu sont venus encore les tuer. Parce que c'est l'état dans lequel Dieu met les gens pour pouvoir être sauvés. Mais souvent, si on ne fait pas attention, quand Dieu va mettre les gens dans cet état, on va plutôt venir les condamner encore. Alors qu'ils ont besoin d'être sauvés. Il faut qu'on soit en l'air. Amen. C'est très important. Donc, ils prirent leur troupeau, leur bœuf et leur âne, ce qui était dans la ville et ce qui était dans les champs. Ils amenèrent, computèrent toutes les richesses, leurs enfants et leurs femmes et tout ce qui se trouvait dans la maison. Alors Jacob dit à Simeon à Lévi, vous me troublez en me rendant odieux aux habitants du pays. Donc maintenant, eux sont partis gâter la réputation de Jacob, du pasteur, la réputation de l'église. Parce que voilà comment on fait dans notre église. Écoutez, voilà pourquoi on dit de faire attention à ce qu'on fait dehors. Parce que c'est pas vous qu'on va regarder, c'est directement le pasteur, c'est directement les saints de l'Église, c'est directement les anciens. Amen. Et donc, ce qui se passe ici, c'est que vous comprenez pourquoi Jacob avait gardé le silence quand il a appris ça. Il connaissait ses enfants. C'est pour ça qu'une fois le pasteur ne te dit pas tout, parce que c'est que toi tu vas dire, pasteur, comment il a fait ça. Pasteur, la colère de Dieu, je sens ça, parce que je sens que Dieu m'envoie que le jugement. Non, laisse Dieu faire. Et donc, en fait, Jacob savait que s'il ne gardait pas cela, ils allaient quitter les champs, étant fatigués pour aller manger leur soeur, on allait même les tuer. Il allait perdre ses enfants. Mais il faut comprendre que Jacob n'a plus rien fait. Il aurait voulu empêcher cela. Mais le pasteur ne peut pas tout contrôler dans l'église. Si tu veux désobéir, tu vas désobéir. Et quand tu vas faire cela, ça va affecter le témoignage de Dieu. Ça va affecter le témoignage de l'église. Et donc, ils ont fini par faire ce qu'ils voulaient. Mais au moins, Jacob est content parce qu'il n'a pas perdu ses enfants. Tu vois un peu. C'est pas parce que le pasteur ne t'a pas perdu ou l'église ne t'a pas perdu que tu peux faire n'importe quoi d'ailleurs. Amen. C'est très important parce que nous voulons être les témoins de Jésus. Donc, Jacob voit que les gens d'abord gâtaient sa réputation et les enfants lui répondent : traitera-t-on notre soeur comme une prostituée ? C'est-à-dire que depuis le début, ils étaient seulement concentrés sur la première offense. Ils n'ont jamais oublié. Ils n'ont jamais pensé que même leur enfant est venu, il s'est agenouillé, il s'est incliné. Des fois, quand tu es concentré sur l'offense que tu as eu depuis longtemps avec tel frère, telle soeur, ça va t'aveugler quand la soeur aura même changé. Des fois, la soeur a changé depuis longtemps, mais parce que dès que tu la vois, elle ne sait même pas comment t'approcher. La mafia. Donc, c'est la mafia, c'est la malchance. C'est ça. Donc, il faut faire attention. Il faut laisser aller l'offense. Amen. C'est très important. Et Jacob, alors, il se rend compte qu'il va falloir faire quelque chose. Et quand vous voyez la suite, c'est là où on parle de ce qu'il a fait. La Bible dit que Dieu dit à Jacob, lève-toi et monte à Bethel et demeure-y. Parce que Jacob sait que quand tu fais quelque chose comme cela, les gens vont commencer à parler de l'église, les gens vont commencer à faire une mauvaise réputation, les gens vont t'attaquer pour détruire l'église. Mais, en ce moment, Dieu n'a pas parlé aux enfants de Jacob, qui peut-être venaient même aux réunions de prière. Il a parlé à Jacob, parce qu'il savait que Jacob connaissait sacrifier avec Dieu, il avait une relation avec Dieu pour régler les problèmes que les saints de l'église créaient. Et pour régler encore le problème que les saints de l'église avaient créé, Jacob dit à sa maison, à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez les vêtements. Vous voyez que ça revient souvent les vêtements. Donc pour avoir la main de Dieu, il faut changer les vêtements. Purifiez-vous et changez de vêtements. Vous vous rappelez le jour où quand ils étaient à Exode 15, oui, quand ils vont à Exode 18, 19, quand Dieu dit à Moïse, je veux rencontrer le peuple, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, purifiez-vous, ne vous approchez pas de femme, changez de vêtements. Ça revient beaucoup. Ça revient beaucoup. Amen. Donc, la sanctification, c'est depuis l'Ancien Testament.
Donc quand tu viens, tu dis que non, on nous impose. Non, non, c'est quelque chose qui était normal dans l'Ancien Testament. C'est plutôt ici que ça commence à être la lutte, la complication. C'est là depuis le début. Amen. Et la Bible dit que Dieu ne change pas. Il n'y a ni ombre ni variation en lui. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Donc, il a dit alors que changeons le vêtement. Nous nous levons et nous montons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui est avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Il donnait à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre les mains. Ça veut dire que ces enfants-là, ils étaient à l'église, mais ils étaient liés. Donc, tu peux être à l'église, tu es lié. Et c'est pour ça que tu n'arrives pas à te soumettre au pasteur. C'est pour ça que tu n'arrives pas à prendre les bonnes décisions. C'est pour ça que tu fais beaucoup de dégâts dehors. Donc même quand tu es à la maison, tu peux ne pas être à la maison. Même quand tu es à la maison, tu peux ne pas être sauvé. Ils avaient beaucoup de dieux étrangers en leur main. Pourtant, il n'y avait qu'un seul Dieu qui fallait servir. Et tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leur oreille, Jacob les enfuit sous le terrain même qui est près de Sichem. Et quand tu regardes le verbe enfoui, c'est vraiment mettre creusé profondément pour qu'on ne le trouve plus. Amen. Il a bien couvert sa terre. Ensuite, il partit et la terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient et l'homme poursuivit point les fils de Jacob. Maintenant, quand tu lis cette version-ci, quand tu regardes, tu dis la terreur de Dieu se répandit. Ce n'est pas juste que les gens ont subitement commencé à avoir peur. Non. C'est que les gens se préparent, ils étaient en train de se parler pour aller en guerre, et chaque fois qu'ils se retrouvaient, il y a quelqu'un qui mourait, il y a quelque chose qui arrivait. Et c'est ce que Moïse a dit que non, la fête est là, moi je ne veux pas. Quand on dit que la terreur de Dieu se rend, c'est ce qui s'est passé quand ils ont traversé la mer rouge derrière Israël. À un moment, les roues du chat, les chats de Pharaon et de ses cavaliers commencent à s'embourber. C'est ce qu'ils disent que non, fuyons, car l'Éternel combat pour eux. Ça va à quel point l'Éternel combattait pour eux. Quand vous lisez Exode 14 et 13, je vous invite à lire ça quand vous arrivez à la maison. Vous allez voir que quand Dieu a envahi les chars de Pharaon et son armée, Israël est encore dans la mer rouge. On regarde tout le film. Dans le film, tu vois, on met les effets spéciaux avec tout. Tu commences à voir, tu as un peu, tu dis, après, tu vois comment on tient le bébé qui est derrière le nez, le chat sort, dès que ça sort, bim, tu vois Moïse qui lance, bam, et puis tu vois tout le monde, tu dis, yeah! Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Le film nous manque trop. Quand tu regardes, Dieu les a envahis, ils n'étaient pas sortis, ils étaient encore dans l'eau. Dieu n'a pas besoin, il peut faire la différence entre toi au milieu de tes problèmes et les problèmes. Il les a envahis, ils étaient dans l'eau. Donc, des fois, on panique pour rien. Tu as le contrôle. Tu dois te dire, Seigneur, si tu as un peu de bout, ça va aller. Alors que tu dis, non, tu dois juste me faire confiance là maintenant. Alors toi, tu dis que c'est de l'autre côté que ça va. C'est maintenant que tu dois faire confiance à Dieu. C'est maintenant que tu dois dire à Dieu. C'est maintenant que tu dois mettre en pratique ce que Dieu te demande de faire. Amen. Donc, ils ont enterré cela. Et quand ils ont enterré, la terreur de Dieu s'est répandue tellement que les gens comprennent qu'aujourd'hui, là, ici, là, si on bouge, ça va chasser. Je donne un exemple qui s'est passé dans la réalité. Vous savez comment, est-ce que vous savez comment ça a mis en mort? C'est ça, il a trouvé pendaison. Vous savez, on aurait pu l'amener aux États-Unis, le tuer, faire la peine de mort et tout et tout et tout. Mais il y avait une prophétie comme ça dans la Bible. Vous vous rappelez quand il ne fallait pas rebâtir les murs, on te disait que son enfant allait être pendu, lui-même allait être pendu. Amen. Allez regarder Saddam Hussein. Et ce sont les propres Irakiens qui ont été ceux qui l'ont pendu. Quand vous regardez, l'une des premières choses qu'il a fait, quand il était monté au trône, quand il était monté au pouvoir en Irak, il avait commencé à reconstruire Babylone. Pourtant, la Bible dit clairement que la Babylone va être détruite jusqu'à la fin, elle ne va jamais être reconstruite. Qu'on ne vous ment pas, si la Bible dit quelque chose, ça ne peut pas changer. Je n'ose défier quiconque de mettre le pied là-bas, là, qu'il reconstruit Babylone. Vous allez voir, on voit tous les vestiges, on s'est arrangé, et la première chose qu'il a commencé
reconstruit, c'était l'une des portes les plus importantes, la porte d'Ishtar. Une très belle porte et tout. Il a reconstruit totalement. Et il voulait continuer. Tu ne t'amuses pas de Dieu. Il a duré pendant un certain nombre d'années, mais éventuellement, il a sauté par Dieu. Jusqu'à présent, la parole de Dieu demeure éternellement. Tu ne bouges pas avec lui. Amen. C'est ça. Donc, on a donc vu que Tina ne devait pas sortir. Vous voyez, elle se disait que c'était cool. Je suis sûr qu'elle n'avait jamais prévu qu'on allait la violer. Elle n'avait jamais prévu qu'on allait la kidnapper. Mais cela est arrivé parce qu'elle est sortie de la maison. Elle est sortie de la protection. Donc, quand tu mets le pied dehors, parce que tu dis, je vais seulement profiter, ce n'est pas grave, ce n'est pas beaucoup, c'est juste un peu. En fait, le diable dit, c'est juste ce dont j'ai besoin. Parce qu'il ne va pas te dire comment il va t'avoir. Il va juste te prendre et te forcer à faire ce que tu ne voulais pas faire. Amen. Donc, regarde comment tu dis, reste dans la maison. Comme les sœurs pensaient qu'on a souvent parlé de Dina, on a parlé d'elle, on va parler un peu plus rapidement, on va finir avec le fils prodigue. Si quelqu'un peut lire Luc, chapitre 15, verset 11 à 31. Parce que même les frères de Pharaon aussi sortent beaucoup, même s'ils disent qu'ils sont des hommes, ils sont des hommes. Je vais pas dire qu'ils peuvent sortir du temps de commun. Luc, chapitre 15, à partir du verset 11. C'est ça. Il y avait un homme qui avait deux fils. Et puis il y a l'un qui a commencé à dire, bon, ici à l'église là, c'est un peu bizarre, c'est comme ça. C'est mon auteur. Tout le temps, quand tu me descends, hein, et puis après, quoi donc. Puis il a dit, ah, regarde les autres aussi, ils font comme au temps de Dina. Il y avait des gens qui faisaient les selfies. Mais nous, on est là, on reste là. Même quand on fait les activités, Noël, on est tous ensemble ici là aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, ah, je veux passer à autre chose. Il a dit, on va un peu essayer d'aller en boîte là. Allez, tout mauvais mot. Le gars, il était content. Mais quand il est content, l'argent ne fait que sortir, ça fait que descendre, ça finit. Là-bas, c'est vrai qu'il ne payait pas la dîme, il gagnait l'argent de la dîme. Il ne savait pas que ça coûtait encore plus cher. Il n'y avait personne pour contrôler. Quand il était dans la maison de son père, il y avait des gens qui travaillaient. Lui-même, il travaillait. Quand tu es dans la maison de papa, tu ne restes pas sans rien faire. Amen. Et c'est pour ça qu'il avait ses biens. Mais il était à la maison de son père. Et il a rencontré, il était béni, il disait, non, il faut que ça serve. Mais ça lui est servi pour lui, et c'est pour ça qu'il a tout perdu. Quand Dieu te bénit et que tu as rencontré, cela servit pour Dieu. C'est pour ça que je dis, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas ne plus sortir de la maison. C'est que si tu peux pas le sortir, rappelle-toi que ça va servir à Dieu, et ça va être efficace. Ça va faire que quand tu reviens, Dieu va te reformer, il va te réinitialiser, faire le reset et te renvoyer. Plus fort. Amen. Et donc lui, il est parti et c'était différent de ce qu'il pensait. Au départ, c'était le fond, mais c'est rendu compte que quand il y a plus d'argent, même ceux à qui passaient l'argent ne voulaient plus apporter. Et là, il le mangeait. Dans les restos, il commence à manger la poussière. Et puis après, même la poutine qu'il avait, il n'y a plus la poutine. Et quand on voulait le pain sec,
préparer. Soit ça mène au concours en longtemps. Mais il y a quelque chose qu'on mange beaucoup, c'est le couscous, le fond de couscous. C'est comme des biscuits. Ce qu'on a déjà initié, on va faire un chat de temps. Donc, tu prends ça, tu te casses comme ça. Et puis j'arrive pas. J'ai mangé ça comme pas possible. J'ai mangé ça. Et puis après, il n'y avait pas un là, c'était fini. Je suis allé au frigo, j'ai pris le couscous. J'ai bouffé ça avec le couscous. Tu sais, il y a des jours quand tu as faim. En tout cas, bon, on n'est pas rentré. Je ne savais pas comment cuisiner. Donc. C'est vraiment, on me disait tout le temps d'apprendre à cuisiner. Tu vas venir ici en Europe. Tu vas venir ici en Amérique. Quand j'ai réussi, j'ai appris ça, c'était dur. J'ai appelé souvent ma mère, j'ai dit, comment tu fais ça encore pour lui? Je t'avais dit, je t'ai Donc, il est à ce niveau-là où il commence à voir comment le porc mange. J'ai dit, mais c'est pour être. Vous avez vu le porc manger? Mais lui, c'est tellement chaud qu'il voit le porc manger. J'ai dit, waouh! Il a envie de penser, il va mettre quelqu'un dessus. C'est qu'il est dans ce chemin où c'est compliqué. Il est vraiment paniqué. C'est parce que si tu ne fais pas attention à tout ce que Dieu te bénit avec, à tout ce que tu as dans la maison, quand tu vas être dehors, le diable va te contrôler, grand frère. C'est parce qu'il sait que tant que tu es dans la maison, il ne peut pas te toucher. Tant que tu es dans la maison, il ne peut pas t'atteindre. Alors tout ce qu'il va faire, c'est qu'il va parler assez dans ton oreille, c'est ce que tu finisses par écouter et que tu mettes la main dehors ou tu mets le pied dehors. Et là, il va te rattraper. Et vous allez voir, tout le monde n'a pas la force de revenir et dire, c'est papa, je fais une erreur. Ça, en partant, ça se passe. Je vous dis, il y a des moments, je l'ai raconté cette histoire, mais il y a des moments où je me dis, repends-toi. Je me rappelle un jour, j'avais mal parlé à un ami qui avait fait quelque chose qui m'avait aidé. Je me dis, appelle pour t'excuser. Ah, tu sais, il y a des gens que j'ai déjà appelé pour m'excuser, je pourrais le refaire. Mais pour lui, là, à cause de la rivalité qu'on avait dans le monde, j'ai dit jamais. Mais quand Dieu m'a parlé, je l'ai fait. Tu sais, à cause du jour-là, et c'était la seule fois que j'ai fait cela, j'ai dit, ça ne va plus jamais arriver. Donc, fait que dès qu'il y a un truc que j'attends sur moi, je vais me parce que c'était dur. Il y a des gens que tu sais que. Je suis désolé, mon frère, mais il y a des choses. Surtout que tu le fais, Badia, c'est la vie. Tu vas voir le chrétien, il m'a appelé pour s'excuser. Tu vois, il fallait que j'avais raison. Ça m'avait touché ici. Que je m'excuse. Donc, dès que j'entendais, j'ai dit que c'est moi. Amen. Donc, il se trouve dans une situation où il commence à considérer les faits. Ça fait un moment que je vois que c'est chaud. Ça fait un moment que je commence à manger le ketchup, il n'y a même plus de pain. Bon. Là, ça fait un moment que je pense à rentrer, mais je ne veux pas rentrer. Mais si je ne veux pas rentrer, je veux continuer. Je ne veux pas manger. Je veux manger ce qu'il y a avec les chéris et les trucs. Tout ce que ça pensait, je m'abaisse. Je laisse aller mon enquête et je reconnais ma faute. Parce que je suis que mon père va m'accepter. Amen. Des fois, c'est juste faire cela pour revenir avec Dieu. Parce que des fois, on est même dans l'église, mais on est loin de l'église. Des fois, on est dans l'église, mais on est loin de Dieu. Mais ça prend juste le seul repentir du Seigneur. J'ai fait une erreur. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à me reconnecter avec mon pasteur. Aide-moi à me reconnecter avec tel frère, tel soeur. Parce que tu sais que c'est une situation qui t'empêche de te connecter avec Dieu. Je dis ça parce que sortir de la maison, ça ne veut pas dire que c'est sortir de l'église. C'est d'être dans l'église, mais de ne plus être en connexion avec Dieu. Souvent avec un problème avec ton frère, avec ta soeur ou avec quelqu'un. Un petit problème. Et tu as juste un move à faire. Mais parce que tu dis que normalement, c'est très mauvais, je ne connais pas. Quand je te parle le monde, tu es supposé ne plus être dans le monde. Moi, quand je me fâchais, ouais, c'est ta référence quand tu te fâchais. Tu te fâchais quoi? Tu te fâches mieux que toi. Font les défis de fâchement. Regarde ton père, tu dis, est-ce que tu es encore dans l'église? Regarde ton père, tu dis, ne sors pas de l'église. On va se lever, on va prier. Thank you.
personne qui nous empêche de passer un peu de temps. Nous voulons que ta parole soit sûre. Nous voulons que ta parole soit sûre de toi. Nous ne voulons pas laisser nos passions nous emmener, nos désirs, nos rêves bloquer nos rêves. Le rêve d'avoir un peuple qui sert le monde dans ce lieu. Le rêve d'avoir un peuple qui élève le nom de Jésus. Le rêve d'avoir un peuple qui soit sanctifié, qui vive. Un peuple, Seigneur Jésus, par ta parole. Le rêve, Seigneur Jésus, que nos familles aussi soient sauvées. Que nos frères, nos soeurs, nos parents soient sauvés. Nous prions, Papa, que tu nous aides. Afin que nous chérissions ce rêve, Papa. Afin que nous chérissions ce rêve, Papa. Nous prions pour que ta main soit sur nous. Et que nous la fortifions. Au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus.